Débranché par Steve Anthony. Bonjour, Blip. Blip aime être branché à son ordinateur. Sur son ordinateur, il apprend des choses, il joue à des jeux rigolos, il écoute de la musique et il visite des endroits merveilleux. Toute la journée. Prends un moment. Mais un jour, il y a une panne d'électricité. Tout devient noir. Et Blip trébuche sur son fil. Il dégringole jusqu'en bas de l'escalier et se retrouve dehors. Regarde, il y a un peu de couleur. Il dévale une colline abrupte et fleurie. Il roule parmi les grands arbres d'une forêt. Et puis, il descend une longue rivière sinueuse, emportée par le courant. Blip est dans la nature! Oh! Il apprend des choses. Il joue à des jeux rigolos. Il écoute de la musique. Et il visite des endroits merveilleux. Toute la journée. Prends un moment, regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils ont l'air de s'amuser. Mais, il se fait tard. Le soleil se couche. C'est l'horizon. Blip remonte alors le courant de la longue rivière sinueuse. Il retrouve son chemin parmi les grands arbres de la forêt. Et puis, il gravit la colline abrupte et fleurie. Il dit au revoir à ses nouveaux amis. Regarde, il pleure. Il y a une petite larme. Puis, il lui donne une fleur. Blip remonte jusqu'en haut de l'escalier. Il rebranche à son ordinateur. Bonjour, Blip! Blip aime bien être branché à son ordinateur, mais il n'arrête pas de penser. À quel point c'était agréable d'être! D'être où? Débranché! Oh! Blip! J'espère que vous avez aimé ça. Et oui, en effet, je comprends l'ironie de lire une histoire comme ça sur Internet en ligne. C'est très ironique. Amusez-vous.